Hey, que coucou bien le bonjour tout le monde, c'est Néo, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4 du Let's Play Féticheur sur Diablo 3. J'enregistre tout de suite à la suite de l'épisode 3, voilà, parce que je n'ai joué qu'une demi-heure, ce n'est pas beaucoup. Et je viens de finir les deux gemmes Topaz Royal, donc paf, on les met directement, paf, normalement le dernier épisode est sorti il y a 2 jours, on va essayer d'alterner un petit peu comme à la bonne époque. Et avec ce pantalon, nous allons gagner 15% de dégâts. On va gagner pas mal de trucs, nous sommes à 8100 de dégâts, 38 000 de robustesse et environ 10 000 points de vie, donc on va augmenter tout ça. Paf, paf, paf. Et paf! Nous avons gagné 2000 de dégâts. Nous sommes passés de 38 000 à 52 000 et 11 000 points de vie. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt pas mal. On a une belle gueule comme ça. On a une belle gueule. Ok, on a augmenté un petit peu. On a un petit peu tout augmenté. On a peut-être perdu de la régène de vie par seconde par contre. On a gagné des petits pourcentages, on a perdu des petits pourcentages, mais dans l'absolu on a un petit peu tout augmenté, et puis c'est du bas niveau, donc c'est pas vraiment, ça joue pas à grand chose quoi. C'est pas non plus folichon quoi. Ok, parfait. Je voulais voir du coup par contre forger une arme, j'ai pas fait attention si on avait gagné d'autres trucs. Arbalète on s'en fout, arc on s'en fout, bâton on s'en fout, dague on s'en fout. Dague cérémonielle. Ça, par contre, c'est une meilleure dague. Il me faut une dague avec une... Courtin, on s'en prend. Ça, par contre, les mojos. Il m'en faut un nouveau également. Il me faut deux armes avec... Deux... deux chasses. Enfin, chacune une chasse. Histoire de pouvoir... Ok, donc ça, c'est de la merde. Il me faut une dague comme ça avec une chasse, tout simplement. Voilà. Qui n'est pas top, par contre. Elle est pas fameuse, hein. Elle est pas fameuse. On va essayer d'autres. On a de quoi. De toute façon, on a du stock. C'est 1000 trucs. Je pourrais remplir tout mon inventaire. Ça changera rien. Ah, par contre, celle-là 22 à 27 de points sacrés. 20 à 25. Celle-là, elle fait de l'intel. Donc, je pense qu'au niveau des dégâts, ça va être encore plus sympa. 146 points de vie par victime. On va voir si on peut pas changer les points de vie par victime par de la vitalité. Augmente la régénération de mana, c'est pas très important. Hop. Hop, il va me falloir un mojo. Un mojo, un nouveau mojo, s'il vous plaît. Ah bah voilà, il suffit de demander. 8 à 13 points, 124 vitalité. Je vais regarder tout de suite si ça passe. Ça ne passe pas. Parce qu'il n'a pas d'intel sur lui. Donc on va recycler ça tout de suite. Voilà. Ce qui est bien, c'est que je peux faire des tests sur place. Des tests sur place. On finit de faire d'augmenter un petit peu notre stuff. Et on continue. On continue tranquillement. Tranquillement avec la police ou je ne sais quoi qui passe dans la rue. Je ne sais pas, je ne vois pas. Des choses qui arrivent. Il veut pas me donner un mojo valide là. Un mojo qui est bien. Mais vos gueules! Putain, c'est à côté de chez moi ou quoi? Ah. Ah. Ah! On a trouvé quelque chose. Mais on perd de la vitalité. Mais on peut augmenter la vitalité. Non, j'ai des bêtises. On peut essayer d'aller switcher un petit peu tout ça. Enfin, d'aller enchanter un peu tout ça. J'ai pas de... Ah si, il m'en reste un rubis royal. Bah oui, forcément. Ah. Ah. On a moyen d'augmenter ça. On va aller juste essayer d'enchanter pour changer 2-3 trucs. Histoire de mettre de la vitalité, par exemple. Et après, on est reparti pour de l'action. Some action. Parce que là, je veux changer ça. Ça ne me sert à rien. À la limite, mettre plus de mana. Voilà, par exemple. Ok. Et le mojo. Nuit de sauterelle. Voilà. Tac. Tac. Non, on va faire ça. 104 vitalité. Parfait. Et voilà, c'est un mojo supérieur en tout point. Boum. Et boum. 12 000 de dégâts. Parfait. On recycle et on est reparti. Pénétrer dans le niveau 1 des salles de l'agonie. Et on est bientôt, je crois, à la fin de l'acte 1. Hein, plus ou moins. Oui. On est bientôt à la fin. Je recycle cette merde. On a perdu en robustesse par contre. Bah oui, forcément, j'ai.
Mon arme avec de la robustesse, celle-là, elle n'en a plus. Ok. Et ok. Tac, tac, tac. Tac, tac. Ok, parfait. Salle de l'agonie, c'est parti. Il faut que j'aille au manoir de Léoric. Et on est reparti après 5 minutes de préparation. Go, 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 go. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein, l'augmentation, le changement de stuff, le craft, la démarche. Salle de l'agonie niveau 1, c'est parti. Hop. On avait gagné quand même 6 niveaux. Hein. Une vingtaine de minutes de jeu. On a gagné 6 niveaux. Je pense que le niveau. Mince, j'ai oublié de changer de difficulté. Bah, forcément, j'ai pas quitté le jeu. My bad! La prochaine fois que je relancerai le jeu, je penserai à changer de difficulté parce que là, je vais encore leur rouler dessus. Donc, j'ai augmenté mes dégâts de 4000. Je pense que je vais leur faire plutôt mal. J'étais à 8000 avant. Et là, avec le changement de stuff, je suis à 12000. Donc, ça fait plaisir. Chaton inerte. Oh. Oh. Ouais, mais il est nul en fait. Parce qu'il est nul tout simplement. Pour moi que je puisse changer et mettre de l'intel. Je retourne en ville. Non, je ferai ça après. Je verrai après si il vaut le coup en fait de le modifier ou pas. Ça vaut le coup pour essayer d'avoir de l'intel, histoire de mettre une gemme légendaire dessus. Un gobelin! Bouge pas toi! Putain, ça vit. Voilà. Yay, merci! Merci pour tout ça, c'est très gentil de ta part. Qu'est-ce que tu m'as donné? Un arc, je m'en tape, des bottes, nul. Oh, des meilleures épaulettes. Et ben voilà, c'est ça que j'arrivais pas. Augmente les dégâts de chien zombie de 15%. Et ben c'est encore mieux. Bim, allez! Des bottes qui sont... beaucoup mieux, je perds juste quoi? La résistance au poison augmente les dégâts de chauve-souris de 12%, mais... tu fais combien de plus d'augmentation pour les sorts? Putain, y a pas écrit. Augmentation de dégâts de chauve-souris 22%, c'est pas mal. Hein. Les épaulettes. Ressemble enfin à un féticheur un petit peu foufou. C'est bien. Et c'est parfait. C'est parfait! C'est parfait, on augmente notre stuff encore, comme si on en avait besoin pour le moment. Pas du tout! Ils meurent tellement vite. Ils meurent tellement tous vite. Ça fait plaisir de retourner un petit peu quand même. Parce que ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps et je... alors que j'avais le temps. J'avais le temps de tourner par moment. Juste que je n'avais pas l'envie, le courage de tourner. Et là, j'ai observé que c'était bien. Ah, par contre, si c'est de la glace, j'ai pas trop. Allez, prenez mes zombies. Oui. Bon, vous êtes morts. Bah, c'était encore pas très difficile tout ça. Hein. C'était encore pas très difficile. Mais enfin. On est dans le niveau 2 de ça. Ah oui, non, on n'est pas tout à fait... bon, bah, désolé. On n'est pas tout à fait à la fin de l'acte 1. Il y a d'abord les prisons. Enfin, la prison à faire. Poulet furieux. What? Ah, et j'ai eu un nouveau truc. Afflux d'essence, les sorts d'esprit rendent 100 points de mana en 10 secondes. Petits épouvants, sinon moi, son arme rafale d'esprit marche contre. Donc rien de ce que j'ai encore. Voilà, rien de ce que j'ai. Rien du tout de ce que j'ai. Parce que j'ai pas envie de faire peur aux ennemis. Moi, j'ai envie de les défoncer, de les buter. Hop là, donne-moi ça, ça sera bon à recycler. Est-ce que je vais dans le bon chemin? Je suis pas sûr, ça, par contre. Bah, enfin. On a toujours des monstres à tuer. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites comme des expériences saugrenues? Le maître maléfique cherche à posséder mon âme pour la gouverner. Sûr que je suis pas dans le bon chemin et que je vais arriver. Ah si, on va arriver là en fait. On va arriver là, on fait tout le tour comme des vaillants chevaliers avec toute notre armée. C'est génial d'avoir des familles. J'aime bien. Et hop, du vomi sur la gueule. Bon vomi bien dégueulasse. Donne-moi ça. J'aime bien avoir des armes légendaires là. De trucs pour augmenter le piment de la chose. Juste à passer à côté, mes familiers les bouffent. C'est beau de ne rien faire dans un jeu. C'est beau, je pourrais juste avancer. Ça. Boom. Bonjour, vous.
Regardez, il dévore tout. Je vais rester au milieu, je vais rien faire. On va tenter. Sans les mains, je ne touche pas. Bah je suis à rien. Je suis à rien, j'ai même pas vu qu'il est avec lui en fait. Voilà. Non. Toi t'es mort. Vous êtes tous morts. Vous êtes tous morts, je suis trop balèze. Balèze, je suis balèze. Pourtant je suis en tourment 1. Hein. Ouais, faut vraiment que j'augmente la difficulté. Prochain épisode. Hop là, du vomi. Ça me fait plaisir. Vomir sur les ennemis, c'est... C'est magique. C'est vraiment très... Il y a un certain sentiment de respect qui s'en dégage, si je puis dire. J'aime pas chaîne de feu. Comme enchantement. Comme maléfice. Ok, le masque nul. Doucement. Doucement. Jour après jour. Tu les monstres. Sans m'arrêter. Et pourtant ça me fait toujours autant kiffer. Parce que je me trouve vachement balèze. Balèze. Et j'aime ça tout seul et défoncer. J'aime pas me faire geler. Parce que c'est pas agréable pour la réaction cutanée. Du vomi sur la tête. Rendez-vous au passage des hautes terres. Faut qu'on aille au passage des hautes terres, qu'on entre dans le nouveau, enfin dans un autre donjon et qu'on défonce toute une prison, le gardien de prison. Et après, enfin, nous aurons le boss du premier acte. Acte qui est quand même un des plus longs. Par ordre, je pense que c'est le plus long l'acte. Hein. Un gobelin, poussez-vous. Poussez-vous, le gobelin est à moi. Poussez-vous, où est-il, où est-il, où est-il. Viens là, mon con. Viens là, mon con. Viens là. Salaud! Putain, par loin ce con! Reste là! Ah, salopard! Excusez-moi, poussez-vous, j'ai besoin de passer! On vient là! Voilà! Et on chope tout! Yay! Merci, maintenant on peut tuer tout le monde. Des brassards, un arc, des gemmes. Bullshit, bullshit over 9000. Mais enfin. Alors, bientôt, on est bientôt au passage des hautes terres. J'ai déjà plus de place dans mon inventaire. On en chope vachement des armes pourries, maintenant que j'y pense. Passage des hautes terres. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir un petit téléporteur, s'il vous plaît. Hop, voilà, j'ai même pas le temps d'arriver, qu'ils sont déjà morts. Allez, go! En fait, Diablo, ça n'a pas vraiment besoin d'un commentary maintenant que j'y pense. Je pourrais juste vous balancer le gameplay et ça serait tout aussi bien. Il faut juste défoncer des mobs à fond, mais. Mais en même temps, vous m'aimez bien, vous savez que. Que j'apporte une petite touche, le donjon maudit. Voilà, on arrive dans la prison, donc c'est parfait. On arrive dans la prison, il faut délivrer les âmes en peine. Reste les prisonniers. Pour en délivrer 6. Hop. Nique ta porte d'entrée. Je suis libre. Allez hop, moi je vous empoisonne et vous allez mourir du poison de toute façon. C'est ça en fait, les mobs meurent, j'ai juste à les empoisonner, ils meurent. Voilà, je gagne de l'XP. C'est génial, non? Hop, ma barre d'XP elle augmente alors que je fais rien. Hop. Voilà. Merde, c'était pas là. J'ai même pas besoin de combattre. Juste à leur cracher à la gueule, à leur vomir dessus. Et c'est bon. Je peux speedrun, en fait. Hop. Bon, eux, par contre, peut-être falloir que je fasse un peu plus. Juste leur vomir dessus, ça sera peut-être pas suffisant. Yay, level up! Yay, ils sont morts! Hop, je vous mets dessus également, je vous mets dessus. Allez hop, dégagez. Hop, vous aussi. Regardez, je leur ai juste vomi dessus, hein, et ils vont mourir. Voilà, ils sont morts. Ruine déverrouillée, le grand méchant vaudou danse de la pluie. Hop,
Où sont les autres prisonniers, s'il vous plaît? Les prisonniers. Oui. Ah, j'ai plus de place. Je n'ai plus de place, il va falloir que je retourne à bon point. Il va falloir que je retourne à la ville. Chose que nous allons faire maintenant, on va faire un petit... un petit slash home, comme on dirait dans le jargon. Allez-y, tous les deux. Donc, voilà. Hop, petit slash home. Petit slash home. Créer le même jardin, créer le même objet plusieurs fois peut permettre d'obtenir de meilleurs résultats. Chaque objet créé est différent. Ah, je croyais que ça augmentait les chances d'avoir des meilleurs objets, mais pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Allez hop, on recycle tout. On se fait de la ressource. De la bonne ressource. Et qu'on stocke allègrement et sans aucune forme de pitié dans le coffre dit au trésor. Et on retourne, voilà, on ne perd pas de temps, on est à 15 minutes, moitié d'épisode à peu près. Ah, bonjour. Santé. Pas gentil, parce que... est-ce que je peux prendre le bassin de la réflexion? Merci. Et il va mourir, voilà, il est mort. Et c'est une petite bestiole aussi. Et toi aussi, tu es mort, je n'ai rien eu à faire. Alors, on a fait déjà un côté, le deuxième côté, avec un prisonnier qui est juste là. Il faut faire tout le tour, bien évidemment. Putain! Le tour trop long, quoi. J'aime pas ça qu'on se moque de moi. Je suis pas quelqu'un dont on se moque. Wouah, j'ai pris le mauvais côté, quoi. J'ai pris trop le mauvais côté, quoi. Franchement, je suis assez disappointed. Par où, moi? Regarde, j'arrive. L'important c'est de leur vomir dessus. L'important c'est de courir et de vomir. Et où est le dernier? Où est le dernier prisonnier? Le dernier prisonnier doit être de ce côté-là. Hop. Pas de ce côté-là, c'est fermé. Pas de ce côté-là, c'est complètement closed. Complètement closed parce que oui, j'ai un petit peu de bilinguité en moi. Je regarde ce que ça donne sur la caméra. On voit bien mon poster là en fait. Super poster que j'avais eu avec The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Et en fait le prisonnier n'est pas du tout de ce côté. Je suis sûr il est là. God damn it. God fucking damn it. Oh, merci. Baguette du dueliste. Wow. Oh wow 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 wow. Celle-là est bien par contre. Celle-là est bien, elle mérite... Oh merde, j'ai recyclé l'autre d'ailleurs. Elle mérite un petit enchantement. Genre la vie par coup, la remplacer par de l'intelligence. Et après on met la chaste du poison et là c'est... c'est poison paradise quoi. Putain, il est dans la zone que j'ai pas explorée quoi, je suis dégoûté. Comment perdre? Comment perdre? Comment perdre du temps? Comment perdre? Comment perdre? Comment perdre du temps? Allons-y, courons. Regardez, et voilà, il était là, putain. Bah. Voilà. C'est ici qui me fait vibrer. Waouh, la newsletter de boulanger. Pourquoi à chaque fois que je me désabonne, ça marche pas? Saloperie de newsletter. Bon allez, viens là, petit gardien. Tu es le gardien. Come on, baby, do the locomotion. Oui. Et le gardien est mort. C'était vachement compliqué. Tous les mobs ont même pas eu le temps d'arriver. Magnifique. Une petite dague. Oh, qui est pas mal. Sauf qu'elle n'a pas de chasse, donc ça ne m'intéresse pas. Et nous pouvons continuer le chemin, entrer dans la salle de l'agonie de niveau 3. Il nous reste 10 minutes, on a même peut-être le temps de finir l'acte 1 en fait. On a largement le temps. Ah, donc ça c'est ce qui se passe un petit peu, c'est un petit peu les cinématiques externes, le roi fou qui tuait sa femme ou je sais pas qui. Toi ma propre femme et ma chère reine. Ouais voilà, c'est ça, il tue la reine, le roi complètement con. Salle de l'agonie niveau 3. C'est pas le boss en fait. Voilà. Ah, faut que je cherche la chambre de la souffrance. Donc, objectif, cherchons la chambre de la souffrance. Et dans la chambre de la souffrance, il y a le boss de l'acte 1. Et après, nous changerons complètement de décor, nous changerons d'acte.
Oh, un monstre vite. Ouais, ce mana. Yop là, level up, génial. Fardos. Bombe incendiaire, puits de feu. Ouh. Là j'ai flamèche, puits de feu. L'explosion crée un bassin de flammes. Non, je préférais quand elle rebondissait sur les mobs. Ok, on verra plus tard pour les sorts. Là, je suis bien avec ce que j'ai. Je vous dis, j'ai pas besoin de changer. L'objectif étant de finir l'acte 1 rapidement. Ah, alors. Juste aller tester, du coup. Hop. Juste aller tester. Pour enchanter ce petit anneau. Bon, peut-être je suis ce petit anneau et lui mettre... 5% de dégâts, c'est chaud quand même. Enchanté. Alors. Vie par coup. Alors, on va voir avec les dégâts si ça passe. 5 à 10 points de dégâts. Ah, c'est mieux, effectivement. C'est un tout petit peu mieux. On gagne de la vitalité. Ah merde, c'est pour lui que je voulais voir. Putain, c'est pour lui. Bah non, en fait. Non, 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 ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tant pis. Tant pis. It's useless. Qu'est-ce que font mes cheveux? J'arrive pas à voir. Bon, au moins, ils me retombent pas sur la gueule, donc c'est pas mal. It's fucking useless. Salle de l'agonie, niveau 3. J'ai pas eu le temps de lire. Vu qu'il y avait le téléporteur, j'en conclus que nous ne sommes pas très loin de la chambre de la souffrance. Et encore un gobelin en trésor, mais c'est génial. Voilà. Là, boule de feu te suivra. Ah putain, dégagez les monstres. Oh là, trop de monstres. Mets-toi dans un coin, s'il te plaît. Allez, voilà. Merci pour les trésors. Wouh. Plein de petits trucs qui ont sauté. C'est beau. Ok. J'ai quoi? Waouh, j'ai eu des anneaux là par contre. Non, ça c'est nul. Ça c'est nul. Nul, 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 nul. Ah, une épaulette un petit peu mieux, mais pas vraiment. Elle ne fait pas de vitalité. J'en conclue que j'ai débloqué du nouveau stuff. J'en conclue que j'ai débloqué du nouveau stuff, ce qui est normal vu que j'ai changé de niveau. Hop. Et que je suis niveau 38. Chambre de la souffrance. Chambre de la souffrance, restons concentrés. Et voyons si nous pouvons battre le premier boss très facilement en très peu de temps. Hop, voilà, un petit peu de poison. Ça fait de mal à personne. Ah, et je pense que c'est par là. Ou pas. Oui, la barre d'XP augmente toute seule, c'est beau. Et là, ça ne sert à rien, ça va juste me faire faire. Alors, on va quand même aller voir parce que. Pour un peu qu'il y a un passage. Non. Il n'y a pas de passage. Je vais dégager, il y a trop de monstres ici. Merci. Ça sera pas par là. Là, ça descend. Ça sera pas par là, c'est sûr. Il faut analyser, il faut connaître son terrain, il faut connaître son playground, son aire de jeu, son tout ce que vous voulez. De toute façon, je les tous. Alors, le premier boss. Un peu de vomi sur la tronche, ça fait de mal à personne. Je me répète, il est temps que je trouve le boss. Voilà, je peux même passer dans le feu, en fait. Même passer dans le feu, je me sens un petit peu balèze, vous voyez. Boing, 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 ça rebondit. Boing, boing, boing. Par où c'est? Par où c'est? Où est cette chambre de la souffrance? Je vais souffrir. Oui, 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 oui. Oui. C'est moins de partir. Yay. Alors, serait-ce au bout de l'allée? L'allée est assez longue. C'est possible que ce soit celle-là. Ouais, c'est au bout de l'allée. C'est au bout de l'allée. C'est au bout de l'allée, nous y arrivons. C'est un long couloir qui va descendre. Et voilà, nous arrivons à la chambre de la souffrance, pile poil, on est dans le timing, on va pouvoir finir l'acte 1 de Diablo 3. Allez, je mets cette petite cinématique, ou pas, parce que c'est nul, c'est vrai. Je te présente le boucher, premier boss de l'acte 1. Je te vomis dessus. Allez, c'est parti, tente le speedrun.
On va y aller tranquillement, 2 millions de points de vie, c'est pas un peu. Hop. Ça se passe bien, hein. Pas trop compliqué. J'espère looter un petit objet légendaire, histoire d'augmenter encore le stuff. Eh oh, t'arrêtes de... Hein. Les zombies c'est bon, mais l'humain c'est divin. C'est dégueulasse ce que tu dis. Et voilà. Eh, hey, deux objets légendaires. Oui, je les vois sur la map. Une amulette et un anneau légendaire. Mais... C'est magnifique. Et j'ai pris 30 secondes à le battre. Aïe, 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 aïe. Alors, pas mal de petites choses. Un mojo. Grossièrement, c'est le même. Ça sert à rien, ça c'est pareil, la dague c'est la même. Le plus intéressant, ça va être l'anneau et l'amulette légendaire. Ce qui est cool, ce qui est cool, ce qui est cool, ce qui est cool. Waouh! Anneau volé. Effectivement, c'est pas mal. Après, au niveau des dégâts, c'est la même chose. Juste que j'aimerais bien garder celui-là, puisqu'il augmente les dégâts de mes familiers de 15%. Et si je le mets là... Ouais. Je vais le mettre là. Je vais gagner de la robustesse et de la récupération. Je garde cet anneau jusqu'à ce que je trouve mieux. Et une amulette, alors là, c'est parfait. Dégâts qui infligent les compétences qui infligent des dégâts de poison font 7% de dégâts en plus. Et bim! Et bien c'est parfait, on a gagné pas mal de petites choses, on a gagné pas mal de points de vie. Et on va aller finir l'acte 1 tranquillement. Voir ce qui se cachait. Ce qui se cachait au fond... Alors non, on sait ce qui se cachait, oui effectivement, c'était le... Oui voilà, je m'en souviens, l'étranger avait été enlevé. Et nous allons trouver l'étranger. Qui se cache par là-bas. J'ai pas vomi au bon endroit. Est-ce que mon vomi passe? Ah ouais, mon vomi passe. C'est génial. Allez hop, ils sont déjà morts. Bonjour monsieur. Je vais mourir. Prends ton épée. Arendelle ! Qu'est-ce qui se passe ? Je me souviens maintenant. J'étais un archange des cieux. J'étais l'incarnation de la justice. Je suis Tyrael. Level up! Again and again! Niveau 39. Ça me fait plaisir. Allez, c'est parti. Je vais pourrir Bélial et les légions sur ses actes. Il y a le démon Bélial qui est réveillé, qui est présent. Alors, c'est une amulette intelligence, mais. Vu que t'as pas mieux de toute façon. Vu que t'as pas mieux, on va lui mettre. Après, j'ai ça, 5 à 6 de dégâts. Ça c'est peut-être plus intéressant. Je change rien. Et ça, c'est un peu bien. Ok. Au niveau de l'arme, ouais, par contre t'as toujours des armes de merde. Il va peut-être falloir changer ça. Tu peux prendre ça? Je n'utilise pas ça. Tiens, prends ça. Tu peux pas. Putain, tu m'emmerdes. Voilà. C'est l'arme la plus pourrie du monde, mais au moins ça marche. Allez, on va recycler tout ça. On va recycler tout ça. Ah si, il est mieux quand même. Si, il est un petit peu mieux. Pas top. Bon, ouais, non. On va tout recycler. On va tout recycler et puis tant pis. Ok, parfait. On est à 28 minutes d'épisode. Et bien c'est parfait. C'est parfait, on va pouvoir s'arrêter là. Prochain épisode, on... Hop, on finit ça, voilà, terminé. Prochain épisode, on s'en va vers l'acte 2, tranquillement, mais sûrement. Voilà, je vous laisse avec, avec le chargement, on va vers l'acte 2, on va se rendre doucement sur le prochain acte. Avec cette petite cinématique. Les cinématiques sont belles, hein. Blizzard, un bon boulot. N'était que des histoires. C'est l'enterrement de Caïn. Il voulait tant y voir une prophétie. Descartes a tout sacrifié pour nous protéger. Mais sa quête n'est pas achevée. Qu'est-ce que vous savez du sacrifice? 400 ans d'esclavage, ma vieille, ok? Tyrael! La loi éternelle des cieux nous interdit formellement d'intervenir dans le destin des hommes.
mais tu l'as transgressé dans ton orgueil. Ma seule faute, Imperius, est d'exercer la justice pendant que tu te terres derrière ton micro. Silence ! Tu vas répondre de ta transgression. Il y a de l'écho, désolé. Cinématique et ça. C'est juste que je vais pas me taper un droit d'auteur, par contre. Tu ne peux me juger. Je suis la justice incarnée. Nous avions une mission. Protéger les innocents. Oui, si j'avais laissé les cinématiques mais de base. Si nos précieuses lois vous condamnent à l'inaction, alors bien. Je ne peux plus être dévot. Tu as choisi de devenir humain. Sacrilège. D'avoir un visage. Oui, j'ai choisi d'être l'un des vôtres. Car c'est en l'humanité que réside le seul espoir de ce monde. Une main géante, quoi. Je n'ai jamais cru. Oui, bah c'est bon, on a tous du mal à croire les vieux gâteux. Que tu n'as pas pu achever. Chaque fois, je passe la cinématique, donc j'avais presque oublié qu'il y en avait dans le jeu en fait. Je vais en quelque sorte, plutôt pas mal. Hein. Je t'en fais le serment. Oui, chef. Voilà, c'est ici que va se terminer cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, un commentaire, vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Mon Twitter est dans la description. Je vous fais plein de bisous sur vos fesses, de caresses sur le bout du nez. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. La grande cité de l'Est. Ciao. Un des derniers seigneurs des enfers, Bélial, s'en est emparé. Allez. Zouf. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.